Salut tout le monde! Bienvenue à la toute première extravagante course à l'œuf de notre arrière-cour. Équipe 1, Eddie et Mia. Ouais! Équipe 2, Tessa et Kobe. D'accord, vous connaissez les règles. Les équipiers se passent l'œuf et la première équipe qui apporte son œuf de l'autre côté de la ligne d'arrivée, sans le casser, gagne. On y va, Sophie! Cet œuf a envie de rouler un peu. À vos œufs! Vos œufs sont prêts? Partez les œufs! Vas-y, Tessa! Allez, Eddie! Oh ouais! Youpi! Youpi! Ouais! Eddie se glisse à la première place. Mais Tessa et Kobe les rattrapent. Vas-y, lance-le! Lance-le! Oh, allez donc! Il n'y a pas de bonne course sans vainqueur. On fait la revanche, mais avec des voitures de course. Vroom! Des voitures de course? Ouais! Et on peut faire la course sur un vrai circuit. Ok! On y va! Ouais! Vroom! Vas-y, Ziggy! Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hé, hé, on part à l'aventure. Attendez! Soyez les bienvenus à la course automobile plutôt royale! Fantastique! Passionnant! Totalement fascinant! Papa! Pardon, fiston. Continue. La course commencera ici et se terminera là-bas, au château du roi Piganoc. Où la cérémonie en l'honneur du vainqueur se déroulera de façon royalement digne. Les toasts portés poliment seront autorisés, comme ceci. J'ai vu le drapeau de départ. Wouhou! Papa, tu avais dit que je pourrais donner le départ de la course. Eddie toujours prêt, prend la tête et laisse tout le monde dans la poussière. Vas-y, Eddie! Ce petit est un vainqueur né. Il a dit... Attends, qui a dit ça? Garde bien les yeux sur la route, l'as du volant. Tu veux la gagner, cette course, n'est-ce pas? J'adore gagner! Et tu ferais n'importe quoi pour gagner? N'importe quoi. Oh. Tu en es sûr, l'as du volant? À 1 000 000 de %. Ok, alors laisse-moi faire. Tu n'as qu'à te dire que je suis ton porte-bonheur. Oui, prends cette piste de terre là. Ok. Oh! Eddie prend les virages comme un pro. Personne ne pourra jamais le rattraper. Oh.
Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'aide à gagner, champion. Personne ne peut rouler sur des pots de banane. Mais tu crois pas que c'est pas juste? Non, mais tu as tellement d'avance. Oui, j'imagine. J'ai stoppé tous les autres coureurs en plus. Tous les autres? Oui. Mais ça, c'est vraiment pas juste, hein? On s'en fiche de savoir si c'est juste. Tu vas gagner. Mais ça, c'est... Il n'y a rien de mieux que gagner, pas vrai? Bon, c'est vrai que j'adore gagner. C'est génial. C'est même mieux que génial. Et mes amis? Hey, t'as dit que tu ferais n'importe quoi, pas vrai? Il n'y a rien de mieux que gagner. Mais rien de pire que tricher. Mais qu'est-ce que tu fais? La bonne chose à faire. Et Sophie, attention, il y a des bananes. Merci, Eddie. Hey, attends, tu m'as vraiment l'air d'être une gagnante pour être ton porte-eau. Je vais t'aider, Cody. C'est pour Mia. Je l'ai enlevé. Merci. Et voilà, Tessa. Merci. Moi, le roi Piglotte, vous déclare Sophie la grande gagnante de la course automobile plutôt royale. Mais je n'aurais jamais pu gagner sans l'aide d'Eddie. Moi aussi, il m'a aidé. Moi aussi. On est quatre alors. Parce que Eddie nous a tous aidés, je pense que c'est lui le vrai gagnant. Tiens, Eddie. Ouais. Eddie a gagné. Eddie, le meilleur. Toutes mes félicitations, Eddie. Bravo. Autour de Mia, c'est qu'on te fait errer. Du lièvre et de la tortue. Le lièvre, c'est une sorte de gros lapinou, mais un peu différent. Dans le rôle de la tortue, aujourd'hui, notre très lent zèbre, car nous n'avons pas de tortue. Alors, un beau jour, le très lent zèbre et le lapinou poilu firent une course. Le lapin était si sûr de sa victoire qu'il s'arrêta pour jouer dans le bac à sable. Mais le zèbre continuait d'avancer, lentement, mais sûrement. Et... Tu sais, lapinou, si tu te retrouves plein de sable, ça risque de te ralentir. Non, t'es censé la dépasser. T'es pas censé l'aider. Mince alors. Merci, zèbre vraiment lent. Boing, boing, boing. Mais après, le lapin aperçut des balançoires. Et elle était si loin devant le très lent zèbre qu'elle décida de s'arrêter pour jouer un peu. Alors, le zèbre, lentement mais sûrement... Tu veux que je te pousse? Merci. Non. Tu sais, lapinou, on s'amuse tellement tous les deux. Tu veux pas qu'on traverse la ligne d'arrivée tous les deux aussi? Super idée. Non, c'est pas comme ça que c'est censé se passer. Le zèbre, vraiment très lent, est censé gagner la course. Oui. 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 Regardez, ils sont à égalité. Et donc, le zèbre et le lapinou devinrent les meilleurs amis du monde. Et cette histoire n'a rien à voir avec celle du lièvre et de la tortue. Tu devrais nous la raconter un jour. La fin. Boing, boing, boing.